Bien le bonjour. Bon, c'est parti, c'est par là, let's go. Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélimélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Oui, j'ai mis un maxi décolleté, je suis une femme, j'ai 30 ans, j'ai le droit de m'habiller comme je veux. Ça plaît pas? Ben, faites comme ça. Voilà. Oui, je préfère le dire avant parce que parfois, il y a des gens que ça peut choquer. Moi, ça me choque pas du tout. Personnellement, je trouve ça pas vulgaire et indécent. Voilà. On a parfois une poitrine, les femmes. Il faut un peu la montrer sans que ce soit vulgaire. Et là, je trouve que c'est pas vulgaire. Soit, revenons à nos moutons. Comme vous avez vu l'intitulé de ma vidéo, je vais tout simplement réagir au girls group coréen NMIX qui nous revient avec un single qui se nomme One Intermixion Funky Glitter Christmas, et le titre présenté aujourd'hui se nomme également Funky Glitter Christmas. Je pense que c'est tout simplement un single spécial Noël avant les fêtes de fin d'année. Moi j'aurais préféré en mois de décembre personnellement, mais après c'est juste mon avis. Selon JYP, le titre et le single spécial sort entre les albums officiels. Voilà, comme ça vous savez à peu près ce que la JYP a fait. Donc ils ont entre deux albums, donc leur précédent qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, et leur album futur, je suppose, bah, ils ont sorti ce single. Pourquoi pas? Il n'est pas encore sorti par contre sur les plateformes à l'heure que je vous parle, parce que j'ai déjà regardé plusieurs fois depuis hier, parce que le clip est déjà sorti hier, mais hier j'ai été voir mes deux petites nièces. Enfin, mes deux filleules plutôt. C'est mes nièces et mes filleules en fait. Hein. Et franchement, trop cute. Ah, trop cute. Non. Ah ben, voilà. L'album vient de sortir là maintenant, à l'instant. Franchement. Bah tant mieux. Comme ça, je vais déjà faire comme ça. Comme ça. Et me l'envoyer. Comme ça, je peux faire à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que je pense de la jaquette? Oui, je le fais là sur le moment présent. Voilà, d'ailleurs j'ai l'autorisation de vous montrer une photo de ma filleule qui a eu 9 mois hier d'ailleurs, déjà 9 mois. Alors elle commence à ramper à 4 pattes, elle se met assise, elle veut se mettre debout, je pense qu'elle va vite marcher. Enfin moi je suis impressionnée comment les enfants peuvent hyper vite apprendre et grandir, je trouve ça waouh 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 waouh. Bon, je vais vous la montrer, elle est trop choupinou. Attendez, une petite photo qui est sympa. Je vais pas vous la montrer dans son bain non plus. Qu'est-ce que je peux... Ah oui, celle-là, elle est trop mignonne. Oh, regardez-moi ça. Ah. Oh, que de mimi. Bon, c'est un petit sumo. Hein. Focus refait. C'est vraiment un petit sumo. Hein. Attendez, une autre, regardez. Moi je craque, je craque. Mes frères font vraiment des beaux gosses. Bon, après si vous trouvez pas qu'elle est belle, mais moi je la trouve juste magnifique. Bon, donc oui, on va dire que je suis pas non plus hyper de bonne humeur, mais là ça m'a donné de la bonne humeur quand les voyons. Je sais pas pourquoi. Il faut parfois peu pour que je sois de bonne humeur. Ma météo du jour, on va venir à ça. Écoutez, je suis encore fatiguée, j'ai encore mal à mon omoplate, ça me gêne, mais bon, voilà, ça va. Donc, bonne humeur, bof, bof. Il y a eu des trucs qui s'est passé aussi hier quand je suis rentrée, ça m'a gavée. Donc, je suis un petit peu à cran et frustrée et un peu de mauvaise humeur. Mais bon. Chacun a ses disputes ou pas, hein. on va se dire, mais bon, c'est pas le sujet. Allez, c'est parti pour un petit Christmas Glitter Funky de la part de NMIX. Mais, ah oui, je voulais vous demander, vous, j'espère que vous allez bien, mes chers Mélimélo, parce que c'est le plus important, c'est comment vous allez et comment vous passez votre mercredi matin. Parce que quand je filme cette vidéo, il est 19h09. Elle sortira évidemment plus tard, le temps que je fais le montage. J'ai l'impression d'être quelqu'un qui fait comme une présentatrice de TV, là. C'est quoi ça, Mel? Allez, let's go! Mais j'espère que ça va être funky, hein. Oh yes. Oui, je suis prête. Déjà le début est sympa. Ah non, il ne veut pas mettre cette robe.
Oh, sympa! Leurs tenues sont chouettes. J'adore sa robe avec tous ses carreaux. Elle est trop belle. Elle a toujours des tenues géniales, elle. Mais écoutez, pourtant, j'aime pas trop ce genre de chanson d'habitude, mais là, j'aime beaucoup. C'est très funky. J'aime beaucoup le piano qu'on entend là. Oh. Et les petits personnages qui, à chaque fois, on se connaît dans un animé. Même pas un animé, dans un Disney. J'aime beaucoup. Minuit sonne! Mon petit close-up. Comme des marionnettes. Je suppose que les marionnettes, c'est eux. Ils vont mettre leur robe ou pas? Rien de ses voix. Franchement, à la base, c'est pas mon genre de cam, mais j'ai énormément aimé cette chanson. Elle est très funky, j'aime beaucoup ce côté très américanisé, comme si c'était à l'UNIF, entre potes, dans les cahiers souvenirs, où tu colles aussi plein de photos, de souvenirs en commun, comme une sorte de livre souvenir universitaire. J'aime beaucoup tout ce qui était les petits personnages de dessins animés, ça faisait très cute, girly, et en même temps rétro disco, mais j'aime bien. Il y avait ce côté un peu festif de Noël, mais pas trop non plus. T'avais pas tout, pas vraiment ce côté vert, sapin, etc. Mais franchement, oui. Oui, oui. Franchement, une bonne chanson. Et Lily, c'est vraiment la membre que je préfère de NMIX. Elle a quelque chose, elle a une de ses voix, et je sais pas. Elle m'attire énormément. Enfin, elle m'attire énormément. Vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est elle qui m'attire vraiment dans ce groupe. J'aime beaucoup, 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 que ce soit sa fibre artistique, son timbre de voix, mais sa prestance aussi, ses mimiques. Je sais pas, mais je vois, j'ai vu qu'elle, pratiquement dans le milieu, toutes les membres sont hyper douées, mais franchement, dans NMIX, c'est Lily que je préfère. Depuis le début, hein, d'ailleurs. Alors, au niveau donc de la du single, vous avez juste ce titre-là, vous n'avez pas de version instrumental. Au niveau donc de la jaquette, vous les retrouvez tout simplement dans leur tenue très rouge, bleu et tout, les tenues que j'aime bien, et celles que Lily portait, j'aime beaucoup, avec tous ces carreaux. En fait, j'aime beaucoup. Si vous avez un lien pour trouver cette robe, je suis preneuse parce que j'ai beaucoup beaucoup aimé sa tenue. On voit clairement que c'est une photo du groupe, comme si tu faisais cette photo en fait avec tes potes pour la fête de fin d'année. J'aime beaucoup derrière parce qu'on voit son sapin avec des boules, mais c'est des ours comme ça qui pendent. Vous avez vraiment ce côté vert, rouge, le Père Noël, le petit pain d'épices, enfin le petit personnage. Donc ouais, franchement, la jaquette
est super joli et carrément dans le thème. Et vous mes chers Mélimélo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié leur spécial single pour les fêtes de fin d'année. Qu'est-ce que vous avez pensé également de ce côté très rétro, disco, funky, strass, paillettes, rosé et tous ces petits effets qu'il y avait dans le MV. Moi je vous fais plein de gros bisous, surtout prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un tout petit like et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.